C'est-à-dire qu'on est prêt éventuellement à avoir une solution avec les SACI, le crédit immobilier, mais pas dans les conditions actuelles, à savoir une reprise simplement partielle des salariés. Et on ne sait pas ni dans quelles conditions et ni pour combien de temps. Donc ça, on n'en veut pas. Mais une discussion positive avec le crédit immobilier, oui, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, on a plutôt des clients sympathiques qui sont apparemment plutôt pour nous. Et même au téléphone, on a quand même beaucoup de messages de sympathie. Les gens sont quand même assez pour nous. Et même s'ils appellent pour un problème qui font qu'en fait, ils ne sont pas contents, ils sont quand même très contents qu'on ne soit là pour leur répondre, justement. Ça, ils apprécient beaucoup. Ça peut durer des semaines et des mois s'il le faut. Nous ne relâcherons pas notre moyen de pression. Notre seul moyen de pression, c'est notre chef d'entreprise. Et nous faisons le travail qu'il devrait faire, c'est-à-dire défendre jusqu'au bout notre entreprise. Et ce boulot-là, s'il ne le fait pas, nous le ferons. Et sans aucune hésitation, nous continuerons à le faire. Il est où votre chef? Il est séquestré dans son bureau. Où ça? Au premier étage. C'est où? Ben, c'est assez compliqué. Les couloirs, il y a beaucoup de couloirs très complexes. Hein. Mais parfois, il vient dans la grande salle et parfois, il est dans son bureau. De toute façon, il est toujours gardé par un nombre important de salariés qui ne le laissent pas quitter l'entreprise. Bien traité quand même? Alors là, il n'y a aucune, depuis un an et demi, nous n'avons jamais et nous n'aurons jamais recours à aucune forme de violence. C'est vraiment, on est devant sa porte simplement. Hein.